deuxième tentative d'enregistrement. On ne cache rien ici, puisque la première tentative, il n'y avait pas de son, donc c'était un peu ballot quand même. Donc cette fois-ci, on espère que tout va bien fonctionner, tout va bien marcher. Philippe et Laetitia Ponce nous ont rejoint l'association Le Réveil Cours Nantalais. C'est ça? Je ne me trompe pas. Cours Nantalais. Cours Nanterre-Alais, putain, vous faites, c'est compliqué tous vos noms. Hein. Ils fêtent la Sainte-Cécile ce samedi 23 novembre à partir de 18h à l'église Saint-Pierre de Cours. Cours Nantéral. Je ne vais pas y arriver moi. Pour fêter cette Sainte-Cécile, il vous propose de participer, d'écouter un magnifique concert qui n'a rien d'anodin, puisqu'on va en parler dans quelques instants. Juste vite fait, le réveil Cours Nantéralais, c'est l'objectif principal, c'est quoi exactement? Alors, l'objectif principal du Réveil Cours Nantéralais, c'est que on est une bande de copains, on est tous bénévoles, en fait, des musiciens. On est presque entre 25 et 30 musiciens. Et le but, c'est de faire des sorties pour faire vivre le réveil, pour qu'on puisse ramener de l'argent dans l'association pour pouvoir créer notre festival de banda qu'on fait depuis 3 ans. Mais le festival a été créé depuis 35 ans. Ça fera faire la 38e année cette année, exactement, par notre ancien chef Claude Miécan. Et on a aussi, par le biais de cette banda, on a notre école de musique aussi, où on a 25 élèves qui jouent saxo, clarinette, trompette, trombone, etc. Tu fais bien de le dire, on fait une petite parenthèse, mais c'est super important, ça veut dire quoi? Tu l'as dit, il faut faire rentrer de l'argent pour le festival. Bien sûr, pour le festival, parce qu'un festival... Tout le monde peut s'imaginer, c'est simple, c'est facile, ça coûte 2000 euros, voilà. Mais non, c'est un festival. Voilà, c'est un festival. Et oui, parce que vous accueillez énormément de musiciens, donc des bandas, si je ne me trompe pas. C'est ça. On va faire le truc, on va faire la surprise un peu. On attend. Ouais, on va faire la surprise. Oui, non, mais... c'est déjà choisi, mais on ne va pas... On profite. Oui, il y a 150 musiciens qui viennent lors de ce festival de musique. Du coup, voilà, il y a un festival de musique, il y a des bus à mettre en place, il y a toute une logistique qui est énorme. On en profite parce que s'il y a un sponsor qui écoute et qui dit, bah, tiens, je vais peut-être participer et puis donner un petit quelque chose, c'est toujours ça qui passe un petit c'est peu. C'est toujours le bienvenu. Et ben voilà. Et donc, ça, c'est très... On est des bénévoles et personne ne se fait payer chez nous. Il n'y a pas d'intermittents. Alors, il y a peut-être des intermittents qui viennent jouer, mais c'est à titre gracieux, c'est bénévole. Quoi. On n'a pas une... C'est tout rentre, tout ce qu'on peut ramener en sponsoring et tout, ça rentre dans l'association pour qu'on puisse faire nos événements, en fait, pour qu'on puisse créer nos événements et correctement du mieux que l'on peut. Quoi. Nos événements et aussi payer nos profs de musique quand même, qui nous coûtent quand même une certaine somme, parce que les parents... paye tous les mois une certaine somme, mais ça ne suffit pas pour rémunérer tous ces profs. Quoi. Donc, du coup, on est obligé de rajouter. Voilà, exactement. Vous participez au développement de la culture au sein de Cours Nantéral. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal. On va revenir à ce qui nous intéresse, c'est cet événement de ce samedi. Je vous rappelle, Philippe, la sœur, Laetitia et le papa qui est lui le président de l'association qui se fait peut-être des cheveux blancs puisque la nouvelle génération apporte de nouvelles idées pour égayer tout ça, faire en sorte que l'association grossisse, qu'il y ait encore plus de monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce samedi 23 novembre. Que va-t-il se passer dans cette église Saint-Pierre? Alors, dans l'église Saint-Pierre, avec la collaboration du père Léon qui est le prêtre du village. Donc, il se joue sur 3 communes qui sont Fabrègues, Cournonsec et Coronteral. Donc, la paroisse est sur 3 villages, mais la Sainte-Cécile se fait toujours à Coronteral, puisque bien, on est du village, donc ça se fait là. Et on attend que le maximum de monde puisse venir voir cette messe, parce que c'est une messe qui est quand même intéressante, où notre chef de musique nous apprend des morceaux depuis un mois et demi. Et des morceaux spéciaux pour l'église, parce que ce n'est pas un concert où on fait la fête à l'église, c'est quand même un lieu de culte. Voilà. Mais même ceux qui ne sont pas croyants ou quoi peuvent assister à cette messe pour venir nous écouter jouer. Quoi. Oui, ça veut dire que pour être bien clair, on ne va pas jouer du « faites tourner les serviettes », par exemple. Non, pas du tout. On respecte quand même, non, on respecte quand même le lieu, un minimum.
voilà, on va pas jouer certaines choses. Non, mais bon, comme vous avez des idées des fois un petit peu farfelues, on peut se dire, bon, bah, qu'est-ce qui nous réserve ? Non, j'ai rigolé avec le prêtre la dernière fois, au 11 novembre, j'ai dit, on va jouer ça. Il me fait, non, pas du tout. Ouais. On ne peut pas jouer ça à l'église. J'ai dit, non, mais c'était pour de rire. Mais voilà, alors, c'est quand même assez solennel. C'est quand même des musiques solennelles qui prennent... Ça prend bien les tripes. Quoi. C'est pas forcément des morceaux d'église qu'on va jouer, à part un, qui est vraiment pour l'église. Mais après, c'est des morceaux qui restent doux, qui sont très beaux à l'écoute, mais qui, voilà, qui ont des paroles qui sont censées et pas déplacées pour jouer dans une église. Quoi. Voilà. Et puis, c'est du live. C'est tout le charme du live. Ça veut dire qu'en termes de sensations et d'émotions, je crois que c'est combien ? C'est 25, 30 musiciens qui vont être présents ? C'est ça. C'est ça. Et puis l'écho qu'on a dans une église, c'est exceptionnel au niveau du son. Ça prend vraiment au triple. Quoi. C'est vraiment très, très beau à écouter. C'est un concert qui est gratuit ou payant ? C'est gratuit. Tout ce qu'on fait avec le réveil, tous nos événements sont gratuits. Bon, sur Cournonterral. Sur Cournonterral, donc... Ouais. Les événements que l'on crée, nous, sont gratuits. Et voilà, donc. Et puis, ça permet aussi de, si par le biais de votre émission, s'il y a des musiciens qui nous écoutent de près, de loin, ou. Voilà. S'ils veulent venir rejoindre les rangs aussi, c'est possible aussi. Alors, peut-être pas sur. Ils peuvent venir écouter pour cette fois-ci, mais après, les répétitions, c'est le vendredi soir à partir de 19h jusqu'à 21h. Où on accueille tout le monde, quoi. Tout le monde peut venir, que ce soit des intermittents, des gens qui savent lire la musique et qui jouent comme ça, ou des débutants. Ce qui veut dire que, pour qu'on comprenne bien, vous êtes en permanence en recherche de personnes qui sont désireux d'apprendre. C'est-à-dire que le débutant peut venir dans votre association comme le semi-professionnel ou le professionnel. C'est ça, exactement. C'est ouvert à tous, la porte est ouverte à tous, et le débutant, bien sûr, eh bien, il passe par l'école de musique où il paye par mois une somme et, voilà, pour apprendre les cours de solfège et les cours d'instrument qu'il a avec lequel il veut jouer. D'accord, voilà. Et on précise que c'est essentiellement, puisque c'est une bakugada, c'est essentiellement des instruments avant, on ne va pas se brancher sur l'électricité, Que d'instruments avant. Ouais, on ne recherche pas tout ce qui est batterie, on a ça, on ne prend plus par contre. Hein. Ouais. Parce qu'on a le pupitre batterie qui est complet. Ouais. Voilà. D'accord. Quand on dit le pupitre batterie complet, c'est-à-dire quand votre bakugada elle est complète, c'est combien de gens qui jouent ensemble ? Ben, une trentaine. C'est énorme. Ça peut aller de 10 à 50. Mais ça dépend l'effectif. Ça dépend l'effectif. Quand est-ce tout le monde, suivant les sorties, tout le monde n'est pas disponible. Donc des fois, on peut se retrouver à 10-15, comme à 25. Enfin, c'est aléatoire, en fait. Alors, moi, je sais que Philippe, il joue de la trompette, puisque je l'ai vu au festival de l'année dernière. Mais toi, Laetitia, tu joues d'un instrument ? Tu chantes ? Je joue du saxophone alto. Saxophone alto. Voilà. Donc vous êtes... Il y a trois types de saxo et voilà. Oui, on est une famille de musiciens. mais c'est ça, parce que je crois que même les enfants de Philippe, ils jouent. Oui, mon fils fait la batterie, mais il apprend la trompette à côté en attendant... Pour l'instant, il joue de la caisse claire en attendant de savoir jouer de la trompette. Voilà. Et il fait des cours à l'école de musique. Et moi, j'ai ma fille qui fait des cours de solfège et de saxophone à l'école de musique et qui a intégré les rangs du réveil depuis un an. Là, voilà. Et j'ai mon autre petite qui fait du tambourin. Voilà. Une histoire de famille tout en musique. C'est ça. Exactement. C'est ça, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Matin, midi et soir. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Parce qu'on l'a bien compris, cet esprit familial, il est très important chez vous, ne serait-ce que dans l'accueil des gens, et ça se ressent. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ce samedi 23 novembre ? Qu'il y ait 1 000, 1 500 personnes qui veulent rentrer à l'église ? Ça serait top. Ça serait top. Ça serait du jamais vu, même. Jamais vu, même. C'est environ par rapport aux autres années, c'est environ combien de personnes les autres années qui sont venues ? 300, 400 personnes. Ouais, l'église, elle est pleine en général. L'église est pleine à chaque fois. Voilà. Ah oui, donc quand même, c'est un bel... Les bancs sont pleins. Voilà, oui. Ouais. Les bancs sont pleins. Les chœurs où on peut se mettre debout dans les chœurs, dans les chapelles qui sont sur les bords, il n'y a personne. Il y a même les balcons, les deuxième et troisième étages de l'église qui sont disponibles aussi, où on rentre 150 personnes sur chaque balcon quand même.
Donc, ouais, on a une église qui fait à peu près 500, 600, 500, 500 places, quoi. Eh bien, les amis, juste dernière petite question. Bon, pour se garer à Cournanterral, c'est relativement simple et c'est facile. Hein, il n'y a aucune idée. Le concert et la messe, c'est gratuit, bien sûr. Bon, si on veut donner quelque chose, bien sûr, on peut donner quelque chose. Ce n'est pas vraiment le souci. Si les gens veulent rentrer en contact avec l'association, vous avez, je crois que c'est Laetitia qui s'occupe de la partie communication, Facebook, etc. Ils peuvent vous joindre facilement. Il y a mes coordonnées, oui, il y a mes coordonnées dessus. Tout le monde peut me joindre. Il y a un mail, enfin voilà, ou par téléphone ou par mail, il n'y a aucun souci. Dernière question que les gens peuvent se poser, parce qu'ils savent que vous aimez faire la fête quand même à Cournanterral. Est-ce qu'il y a une buvette de prévue à la fin de la messe ou pas? Alors, oui, normalement, il y avait chaque année, on fait un repas à la salle polyvalente au centre Victor Hugo. Mais cette année, malheureusement, on ne peut pas le faire parce qu'il y a une prestation de judo. Et la salle doit être disponible pour le judo, puisqu'il y a plusieurs associations à Cournon. Il y en a maintenant presque 50, un peu plus de 50 associations. Et ils ont besoin de la salle. Donc cette année, on fera un truc très simple entre nous. Quoi. La logistique ne nous permet pas. L'année prochaine, ça ne sera pas la même. La logistique ne nous permettait pas de nettoyer en temps et en heure pour que la salle soit propre à 7 h du matin ou 8 h. C'était impossible. On s'en excuse auprès de nos habitants qui attendent que ça, puisqu'on a des coups de fil tous les jours. Mon père a des coups de fil tous les jours pour savoir s'il y a un repas ou quoi. On en est désolé, mais cette année, on ne peut pas faire avec ce qu'on n'a pas. Ce n'est pas possible. Parfait, les amis. On en sait beaucoup plus pour ce samedi 23 novembre. C'est l'événement coup de cœur d'HTV, le réveil. Cournanterralais fait la Sainte-Cécile avec un concert avec plus de 25 musiciens en direct live, rien que pour vous. Et tout ça, c'est gratuit et c'est à 18h. Je vous rappelle que si vous voulez leur faire gagner un reportage, on y mélangera bien sûr le patrimoine, puisque dans une église, il y a énormément de patrimoine. On y mélangera aussi le live qu'ils vont réaliser. Vous votez le chiffre en haut à droite de votre écran, le chiffre 1 qui vient de s'afficher. Et si vous votez à plus de 30 votes, c'est rien. Et à la fois, c'est beaucoup. Nous engagerons une équipe de télé. Merci beaucoup, Philippe et Laetitia. Et on croise les doigts pour samedi. Merci bien. Merci.